T'as encore bonne mine, toi. Tu réussis bien tes nuits. Donc t'inquiète, hein. Je changerai de main. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu veux que je te cherche quelqu'un? Non, je cherche pas. J'ai trouvé. Je suis pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je pense que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Hein. Bon, moi, je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme. Vous vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés, hein. J'ai envie de pisser. Ouais, fais pas le con, je suis pas prêt, moi, parce qu'on est pas assez bien, là. Bon, ben, on se voit demain, alors. Super, 15h. Je suis debout à 7h, moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants? Bah, j'en étais un, et puis je le suis toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience. Tu m'as dit que je pouvais écrire tout ce que je voulais, hein. C'est comme à Noël, hein. On sera jamais tout ce qu'il y a sur la liste. Pas de bonbons, pas de gâteaux, à cause de son diabète. Ah, parce qu'en plus, il fait du... Eh oui. Pas de sport ou d'effort physique. Il reste quoi? Tout le reste. T'as jamais embrassé une fille à ton âge? Non. Eh ben, il était temps que j'arrive dans ta vie, mon pote, hein. C'est quoi le programme aujourd'hui? Excursion champêtre. Et un SMS avec photo toutes les 30 minutes. Elle va jamais y croire. Mais tu me prends pour qui, là? Initiation à la botanique en forêt. Je peux me demander si c'est pas moi qui ai merdé quelque part. Je suis pas médecin. T'es moche. Toi aussi. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il te fait confiance, alors. J'adorerais avoir une vie normale.